Parce que il y a un pile monde qui a fait gros l'argent. En pile l'argent. Là, il y a des autres dans la douane. Si je me dis, nous, on l'a. Problème mieux, ce n'est pas tout le monde qui a résolu. Mais on commence à résoudre en pile dans l'eau. Dans pile qui fait le monde mal. Mais ma dit nous ça aujourd'hui. Fuck, c'est ça nous fait. Si nous voulons quitter un pays meilleur. Pour tout le monde qui a venu, pour petit monde, avec petit monde. Il faut qu'il y ait une grosse réforme qui fait nos affaires d'électricité dans le pays. Il faut qu'il y ait une grosse réforme qui fait nos affaires de route. Il faut qu'il y ait une grosse réforme qui fait nos affaires, genre l'État, à dépenser l'argent pour acheter gaz dans le pays. Mais il faut que la réforme fait tout. Nos affaires, la douane, à DG. Ça veut dire, nous, après 4 années, la réforme est beaucoup fin fait. Ça veut dire, il faut nous continuer la bataille pour que le réforme continue à faire. Nous tous contentons, nous qu'on voit qui quantité d'âmes et munitions qui peuvent rentrer dans le nous. Zames et munitions, c'est nous qui avons simé troubles à deuil dans la famille. C'est nous qui avons simé troubles à deuil dans toute société. Haïti n'a pas produit ni âmes ni munitions. Bagage à l'autre bord de l'eau. Et vous passez dans le port. Vous passez dans l'aéroport, à la frontière, pour rentrer dans le pays. C'est responsabilité pas nous dans l'État pour nous travailler avec tout douanier. Pour nous prendre bon jamaisie pour freiner contre les bonnes. Empêcher les armes, munitions et drogues, ce qui est dans le pays. C'est bon de nous, comme l'État. Mais la décision ça retourne. Il faut que tout le monde fâche. Mais si nous voulons protéger la société, si nous voulons pays à démarrer sur le plan économique, si nous voulons bon genre de stabilité politique et sociale dans le pays, les mesures, c'est une obligé pour nous. Et les mesures, il faut que nous prenions. Ministre Finance, ministre Justice, secrétaire d'État Sécurité publique, ministre Intérieur, directeur général de la douane, directeur général de la police, mettez-nous pour nous couper contre les bandes. Contre les bandes, cap vin tenter. Nous avons offert l'argent pour quitter passé vieux marchandises pour nous. Nous connaissons pas quitter ça arrivé. Mais nous connaissons parfois. Nous prenons gros là même, nous connaissons ça. Parce que nous-mêmes, nous avons travaillé, brigadier, mais nous sommes qui a fait vieux actes, nous sommes ingénieux en pile. Notre travail, parce que nous voulons une douane qui est moderne, qui est plus efficace, qui est adaptée à l'exigence technologique. Comme ça, chaque agent douanier a senti fier pour faire partie d'une institution que la société a, le pays a besoin. Pas de développement sans la douane. Pas de croissance économique sans la douane. Pas de stabilité politique sans la douane. Parce que tout ça pour nous faire, c'est l'argent pour l'État jeune pour le faire. Et moyen, c'est la douane avec des DGI qui l'a voté. Frère Maxime, pendant 3 dernières années, le pays a sauté connaître 3 catastrophes majeures. Nous voulons parler de pays locaux. Coronavirus et kidnapping. Coronavirus là,
c'est une maladie qui vient, t'as couru papa tout d'un coup. Les côtés en pile chrétien vivant aller dans le pays Saint-Jacques, dans le monde entier. Nous-mêmes en Haïti, nous sommes obligés de prendre une décision pour faire un pays pour un bon bout de temps. Nous connaissons qui ça a été fait sur l'économie du pays. Gros dégâts, en pile problème. Mais, dès l'autre catastrophe, je voulais parler de pays qui a kidnappé, c'est nous-mêmes qui provoquons la catastrophe. Maintenant, il y a une pensée spéciale pour tout le monde, tout le groupe dans la société qui est victime des actes malhonnêtes. Dernier week-end, c'était terrible en pile. L'église frappée. En pile monde, le groupe dans la société a frappé. A fléau ça. Mais nous pas baisser les bras. Je voulais rappeler tout frère Maxime qui décide de faire politique dans le pays. Que nous tous. Nous tous. À la bombarde. Qui est-ce qui est dans l'opposition? Qui est-ce qui est dans le pouvoir? Nous nous sommes seuls, tout. Peuple là. Peuple ici. Et je dis nous côté mieux là, je mieux placé. Pour me dire nous. Que bagaille arrive dans Kalfou. Moi-même en tant que premier citoyen pays. Hein? Nous gardons nous pour nous faire nous quitter ça qui divise nous derrière. Pour nous concentrer nous sur ça qui nous unit. Parce que ça qui divise nous depuis longtemps. Gardez qui boit au menem. Gardez côté nous, je vous dis. Kidnapping, c'est un gros fléau. Puis, mon manière pour nous finir avec le problème, ça, c'est mettre tête nous ensemble pour nous mettre contre lui. C'est pas. Tous ces plombiers, pété bataille, on a je suis conscient que l'État doit faire plus d'efforts dans la bataille contre la catastrophe, le kidnapping et le crime organisé dans le pays. C'est pour ça que toujours par l'autorité qui l'a pour ça, instruction claire pour mettre plus de vigilance et d'intelligence dans le combat à mener contre les fléaux. Peuple haïtien, famine que la catastrophe ça a frappé. Moi j'ai des cris nous, moi j'ai des rêves nous, moi j'ai des voix nous. Moi j'ai dormi dans les yeux. Même j'ai me songé. 2 heures du matin maintenant, on va parler avec quelques monde qui proche nous, le kidnappé hier. Je fais tout ça la loi que je dois faire. Pour que bon gens solution qu'a joindre pour résoudre le problème. Mais une autre fois encore. Je profite de ce moment pour me parler avec protagoniste crise politique, sociale et économique qui a bouleversé le pays. Division ça qui a installé corps dans le monde. Depuis nous avons décision, nous avons tous les deux en 1806. Pour y arriver jusqu'à aujourd'hui, division ça par hasard. Pas quitter personne qui dit nous sommes hasard. Division ça, c'est une stratégie que un petit groupe nous crée. Et un petit groupe nous a. Malheureusement, parfois, nous avons des gens accusés du pays, petit groupe nous a dans le pays. Et nous toujours là. Yo créé une stratégie ça son gens pour toujours gagner l'État en bas de griffe. Ça veut dire puis bon manière pour bas ça marcher. C'est de soulever le peuple là tout le temps contre les gens qui dirigent.
pour créer une stabilité politique permanente pour même aujourd'hui, quand vous gardez là, la chambre de terre. Maintenant, de toute qualité de parole, même à dire nous, crise ça, nous avons aujourd'hui, nous avons fait tourner une grosse opportunité pour nous étonner le monde. Nous avons étonné le monde entier. Même si nous avons fait ça, dans la bataille vertière, 18 novembre 1803. Pour nous connaître la crise en opportunité, il nous demande en pile sagesse, en pile courage, en pile dépassement de soi, en pile détermination. Je dis à ces mots qui là, côté mien, pour le peuple ça l'on souffre, souvini à faire peuple par des réseaux. Ou à faire demande, ou à faire trois mandats, ou à faire président à vie. Mais de pour venir, ou voulez peuple ça, vous voulez parler de 5 millions de monde qui vivent dans la crasse dans le pays. Vous voulez parler de timoun, 500 000 timoun qui parlent l'école chaque année. Vous voulez parler de 70% jeunes à diplôme dans le pays qui parlent de travail dans le pays. Mon sale. Depuis c'est pour yo, vous voulez venir parler. Système ça pas quitte au dirigeant. Même j'en oué, j'en ai dit fait, j'en ai de l'eau, j'en ai mis. Pendant 4 ans, 2 mois, il n'y a pas jamais de la peur. Parce que il y a des bagages qui ne sont pas jamais accepté. C'est pour ça que le pays n'a pas jamais la peur. Si nous vivons ça, moi-même, moi, comme dit nous, frère, monsieur, qui est dans la politique, moi, quoi que nous puissions bien placer parce que nous aujourd'hui, pour nous dire, nous, restez une dernière chance. Pas même bien deux. Une seule. Chance pour nous mettre la tête ensemble. Pour nous ne pas quitter le système, ça régénérer la tête. Parce que la régénérer la tête est sous nous là, sans nous pas même nous compte. Ça qui a passé là, c'est un perpétuel recommencement. Nous voulons parler des affaires de kidnapping. Nous sommes dans l'année 2004. Comment vous avez le kidnapping? Vous avez Valentino. Kidnapping tout le monde jeune. Je vous dis, kidnapping de tous côtés. Parce que le pays est arrivé dans le calfou. Il y a des gens qui ont dit son calfou dangereux. Même pas dit son calfou dangereux. Je dis son calfou d'opportunité. Pays arrivé dans le calfou, côté gon moun qui n'a tête les jodia, qui croit que ce n'est pas persécuté frère seul, ce n'est pas goumé avec eux, ce n'est pas créer crise politique dans le pays, qui est capable de mener nous sur le route changement et développement. Mais quoi moment arrivé pour nous travailler, pour nous joindre une bonne entente entre nous. Mais qu'on ait une grosse pression qui a baillé. Les gens qui décidaient, je voulais parler de conseillers de soldats de bonne volonté, qui décidaient de mettre tête ensemble pour jouer un rôle facilitateur, médiateur dans la crise là. Je vais tirer la caille. Je vais menacer madame. Petit Dieu, pour ça pas fait. Même à dire nous, monsieur dame, nous arrivons dans le carrefour côté chaque monde dans le pays pour prendre courage. À demain, pour dire ça va faire avec nous. Parce que le peuple a un seul bagage de nous. Un seul bagage de besoin. Peuple haïtien m'a demandé la paix, je veux dire. Il va m'a demandé plus que ça. Il m'a demandé la paix. Et seul jour que nous avons la paix que nous avons demandé, c'est nous chiter ensemble. C'est nous arriver à résoudre le problème qui gagne.
Et qui plus gros problème qui vient aujourd'hui? Plus gros problème qui vient aujourd'hui, c'est l'insécurité. Plus gros problème qui vient aujourd'hui, c'est la vie chère. Et problème, ça n'a pas qu'à résoudre dans l'instabilité politique. Il n'a qu'à résoudre dans la paix avec sérénité. Frère Maxime, peuple haïtien, nous connaissons, nous sommes peuple qui est résilient. Nous sommes résistés en bas pays loc. Nous avons résisté en bas la vie chère. Nous sommes résistés en bas le coronavirus. Jodi a insécurité a prend une forme qui révolte tout le monde. Pas un monde qui pas révolté. Contre forme ça qui insécurité a bon jodi. Mais m'a dit nous faut nous continuer bataille pour nous retirer pays en bas griffe assassin ça. Jodi a mrive kote mye la. Mwen gen courage mwen pou m di nou bagay, pou m di nou verite yo kri. Pou m pa kachan yon ko. Men m'ap di nou si nou fe bak pita a pitris. Se jodi a. Pou nou konstwi solidarite sa. Viv ansanm sa. Pou nou ka etone le moun. Nous pas qu'à faire bac. Cri de cœur ça que m'a fait là, c'est pour me dire nous dans quatre coins pays, quel que soit côté nous, tout groupe organisé dans la société civile, tout secteur dans le pays, paysans, femmes, diaspora, jeunesse là, en nous que les épaules. Pour nous pas perdre ça qu'a fait qui bon jodi a tant qu'on a fait barrage Marion courant qu'a mettre dans tout pays a route qu'a faut j'offre que monde pas de paix on est très bien nouveau constitution de la trier ça yo c'est pas bagaille pam ni bagaille groupe pam que a pied c'est pour nous tous. D'ailleurs, nous avons une année électorale, c'est aller pour aller. Maintenant, il y a avec l'année qui a venu 2022, nous avons fait pour voir, ça veut dire son autre président qui a venu. Ce n'est pas moi. Ça qui a fait, c'est pour tout Haïtien à la ronde qui a fait. M'a dit nous jodi a mettez peuple ça dans situation Jean ça toujours fait tout temps pour nous yon nous lever contre l'autre là ça c'est lui qui mène nous là côté nous hier c'est lui qui fait jodi a nous ces problèmes tout presque tout pays sur la terre tout on a plein en nous à nous mettre tête pour ensemble. Nous mettons nous ensemble pour nous joindre. Bon gens solution. Solution pour nous dire, pour nous mettre le pays sur route la paix et la sérénité que nous avons tous besoin. Encore. Ma blanche son appel à tout groupe organisé. J'aime ce que vous faites. Pour nous capables de mettre tête nous ensemble. Pour nous finir. Je demande à vous-même qui êtes en position, vous-même qui êtes en pouvoir, on fait une chaîne de solidarité avec le peuple pour nous gommer contre l'insécurité. Nous tous concernés, pas de monde qui n'est pas concerné. Qui est en pouvoir, qui est en opposition nous concerner. Lutte à mort ça, bataille acharnée pour contrôler le pouvoir ça. En nous, mettez-le sous côté en nous. Venez nous chita pour nous voir qui plus bon manière nous capables de consolider l'État. Parce que nous avons dit, constat que nous faisons côté mieux,
institution publique yo grand pile problème en pile problème. Et si nous-mêmes nous pas camper pour nous renforcer yo parce que y a pas faibli yo depuis longtemps, même j'ai la douane côté nous aujourd'hui grand pile travail qui fait pour déstabiliser la douane. Même féliciter chaque douanier, chaque femme, chaque garçon qui travaille dans la douane en général. Nous féliciter nous. Nous quimber, nous arriver là. Il va arriver. Si mais pour division ça en la douane. Nous féliciter nous. Quimber ferme. Pas la guerre. En nous tout ensemble pour te coller avec la police nationale. Pour bataille qu'a mené contre insécurité sous toute forme, nous avons quoi pour nous retourner vivre dans la paix, dans la dignité, avec la tolérance. Merci beaucoup. Une cérémonie d'inauguration, c'est une fête. Les douaniers sont en train de fêter et vous êtes là pour prendre part à cette fête. Nous voulons vous remercier. Nous sommes très contents et si vous êtes content d'être là, je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Un grand merci à chacun de vous. Parce que sans votre présence, cette cérémonie n'aurait pas lieu. C'est pourquoi nous voulons témoigner notre gratitude envers chacun de vous, le président de la République, le ministre des Finances, le directeur général des douanes, le représentant de la Banque mondiale, ainsi que toute l'équipe, toutes les personnes qui ont contribué à permettre à cette cérémonie d'avoir lieu et d'être un succès. Merci de votre présence, merci d'avoir permis à cette cérémonie d'être possible. Nous sommes arrivés au terme de la cérémonie, une cérémonie qui s'est déroulée autour du thème « Une administration moderne, transparente et performante pour une Haïti compétitive ». Nous allons entendre un dernier morceau et la visite des lieux sera assurée par le directeur de la douane de l'aéroport de Port-au-Prince.